Chers téléspectateurs, il est utile en un temps où le choc des civilisations devient d'une actualité brûlante de rappeler ce qu'a été la longue lutte pour l'indépendance de la Grèce au début du 19e siècle. Une indépendance chèrement obtenue après plusieurs siècles de domination ottomane. Une indépendance qui a été le résultat de la persistance d'une conscience nationale à travers la foi qui animait, la foi orthodoxe qui animait les populations grecques, à travers aussi le soutien de la Russie, la grande sœur orthodoxe des populations balkaniques qui subissaient la nuit ottomane. C'est l'époque aussi où cette émancipation a reçu le soutien de l'opinion européenne, à l'époque où Victor Hugo évoquait l'enfant grec qui réclamait de la poudre et des balles. Déjà au XVIIIe siècle, la Grèce s'est révoltée. En 1769, la révolte de la Maïna, encouragée par la tsarine Catherine II, a été finalement un échec. Un certain retour au calme s'en est suivi, mais un calme trompeur. Chateaubriand, dans son itinéraire de Paris à Jérusalem, évoque une Grèce broyée, nous dit-il, sous le poids du despotisme. Et il ajoute que quand ils seront débarrassés de la tyrannie qui les opprime, les Grecs ne perdront pas un instant la marque de leur fer. C'est dire le poids, justement, de cette domination ottomane sur les populations balkaniques. Mais malgré tout, l'héritage culturel, religieux, a été transmis par le clergé orthodoxe, la langue grecque s'est maintenue, les développements de l'instruction dans les classes moyennes ont contribué à l'émergence d'une conscience nationale de plus en plus forte. Et cette conscience nationale qui se cristallise à l'époque, elle va de pair avec la persistance de résistance plus ou moins informelle, celle des cleft et des palicards, qui sont soit des bandits montagnards, soit des pirates sévissant dans la mer Égée, qui correspondent à ce banditisme méditerranéen dans lequel Eric Hobsham avait distingué les formes d'une révolte primitive qui préludait à l'éveil des nationalités dans ces diverses régions. Ce qui va bousculer les choses ou faire avancer les choses, c'est à la fois le déclin rapide de l'Empire ottoman, devenu l'homme malade de l'Europe, et d'autre part les effets de la Révolution française. Les Français sont installés en Italie du Sud avec la Révolution et l'Empire, ils sont installés en Dalmatie avec les provinces illyriennes, ils ont une agence spécialisée à Ancône pour préparer l'émancipation des peuples balkaniques. Tout cela vient se combiner pour préparer le terrain et pour en finir avec un empire ottoman, avec un pouvoir ottoman jugé de plus en plus anachronique. En plus, pour aggraver les choses, pour le sultan, certains de ses pachas entrent en rébellion, c'est le cas notamment d'Ali de Janina en Épire. Cela va entraîner une intervention militaire ottomane dans cette région qui va être le signal d'un soulèvement général du Péloponnèse à l'appel de l'évêque de Patras Germanos et puis d'un certain nombre de chefs comme Mavrou Michaelis qui vont aller mettre en œuvre le siège de Tripolitsa dans le Péloponnèse. Les clefts de Kolokotronis et les marins de Miaoulis vont venir prêter main forte également à l'insurrection qui rapidement est générale. La Morée, c'est le nom du Péloponnèse, si l'on se réfère à la Morée franque du XIIIe siècle. La Morée va être libérée, Tripolitsa est prise avec un massacre de 10 000 Turcs, ce qui va être lourd de conséquences pour la violence de cette guerre. Une bonne partie des îles également sont libérées et en janvier 1822,
1962, une assemblée nationale réunie à Épidaure revendique tout simplement l'indépendance de la Grèce. À l'initiative d'Alexandre Mavrocordato, issu d'une riche famille grecque de Constantinople, qui apparaît à l'époque comme le leader politique de ce mouvement. Le problème de ce mouvement, c'est qu'il réunit des communautés dispersées, à la fois ces Grecs du Péloponnèse ou des îles, mais aussi ces Grecs qui sont présents dans l'ensemble de l'Empire ottoman, notamment à Constantinople, où ils constituent une minorité importante. Hein. Et ces Grecs sont organisés dans une hétérie ou société des amis, qui a été fondée par Alexandre Ypsilanti à Odessa, en Russie, hein, et qui est sous l'influence, en fait, du tsar de Russie, qui bénéficie de ces encouragements. Alors, le tsar qui s'intéresse évidemment à l'évolution des événements, qui suscite un soulèvement en Roumanie, mais celui-ci sera un échec dès 1821. En plus, les révoltés, les insurgés grecs sont confrontés à un certain nombre de problèmes. La coexistence entre les rudes montagnards du Péloponnèse ou de l'Épire, et puis les marins de l'Égée, avec la bourgeoisie intellectuelle, libérale et instruite, se révèle un petit peu compliqué. Hein. Il y a d'un côté des populations extrêmement rustiques, aptes à la guérilla, de l'autre côté des porteurs d'une idée nationale qui apparaît assez lointaine encore, dans sa formulation pour les populations du terrain, si l'on peut dire. Hein. En plus, ces différentes composantes se divisent aussi quant à l'attitude à adopter vis-à-vis des interventions étrangères sur lesquelles on espère compter pour obtenir l'émancipation. Les puissances étrangères, elles aussi, sont partagées. Le tsar soutient certes la révolte des orthodoxes des Balkans contre le Grand Turc, mais en même temps, le tsar, qui est un des inspirateurs de la Sainte Alliance, voit aussi dans ce mouvement une contestation du pouvoir établi qui n'est pas forcément pour lui plaire. Cela dit, la violence de la répression turque, les massacres de Kyo en 1822, immortalisés par Delacroix, qui se veulent une réponse au massacre de Tripolitsa, mais davantage encore les mesures prises à Constantinople, où les Phanariotes, les Grecs de Constantinople, sont victimes eux aussi de représailles, notamment leur patriarche orthodoxe, pendu le jour de Pâques, on voit la force du symbole. Tout cela, évidemment, entraîne des réactions. Le tsar va mobiliser des troupes sur la frontière roumaine et surtout les Européens, les opinions européennes vont se mobiliser, y compris contre les choix des grandes puissances. Hein. On le voit au Congrès de Vérone qui décide l'intervention contre les libéraux en Espagne, à la demande de Chateaubriand. Eh bien, à ce Congrès de Vérone, le délégué grec qui vient plaider la cause de son peuple, Metaxas, il n'est pas du tout entendu. Donc, même si les opinions sont mobilisées, pour les États, le moment, à l'évidence, n'est pas encore mûr. Et le tsar reste prudent aussi, car il ne veut pas indisposer l'Angleterre, qui, à la faveur de ces événements, n'entend pas laisser la puissance russe venir s'installer sur les détroits turcs et accéder ainsi à la Méditerranée. Mais quant à l'île de Janina, le pacha rebelle est vaincu, les troupes turques vont se retourner contre le Péloponnèse rebelle, et là encore les forces insurgées rencontrent quelques difficultés du fait de l'antagonisme entre les chefs politiques, Mavrocordato et Ypsilanti d'une part, les chefs militaires, les Kolokotronis ou Miaoulis d'autre part. Hein. Cela dit, les massacres perpétré à Kyo, 22 000 hommes tués par les Turcs, ont vraiment indigné l'Europe. Hein. Les opinions publiques sont résolument philhellènes. Certains
souverain aussi d'ailleurs, on le voit notamment dans le cas de Louis Ier de Bavière, on voit les écrivains se mobiliser, j'ai évoqué Victor Hugo tout à l'heure, Chateaubriand proclame la France fille aînée de la Grèce, hein. Toute la génération romantique est mobilisée auprès des victimes de l'arbitraire ottoman. Il y a des volontaires, français, italiens notamment, qui prennent la route de la Grèce pour aller combattre avec les insurgés. Le plus célèbre, c'est le général Favier, un ancien officier de l'armée napoléonienne, hein, qui va notamment contribuer à la défense d'Athènes. Mais il y a aussi des Anglais, l'amiral Cochrane, le général Church, viennent combattre également aux côtés des insurgés. Et puis le plus célèbre de ces personnalités, la plus célèbre de ces personnalités venues combattre aux côtés des Grecs, c'est bien sûr le poète anglais Byron, Lord Byron, qui se trouvant en Italie, va rejoindre la Grèce pour mourir des fièvres devant Missolonghi. Et cette mort, évidemment, va avoir un très grand retentissement dans l'Europe de l'époque. À partir de ce moment, les chefs politiques, les responsables politiques vont commencer à se mobiliser. La Grande-Bretagne souhaite une Grèce autonome, mais sous suzeraineté du sultan, parce que cela contribue, selon elle, à la stabilité de la Méditerranée orientale. Ça, c'est la politique de Canning, le nouveau titulaire du Foreign Office, qui a succédé à Castlereagh. Hein. Alexandre Ier, lui, est désormais acquis à l'idée de l'intervention. D'autres puissances qui craignent que les insurgés grecs ne donnent des idées à d'autres populations sont plus réservées, hein. C'est notamment le cas de l'Autriche. Mais l'intervention de forces égyptiennes, du Pacha Mehmet Ali dans la guerre, va précipiter les choses. Hein. 18 000 hommes conduits par Ibrahim Pacha, le fils du Pacha d'Égypte, vont débarquer en Péloponnèse, vont s'en s'emparer de Missolonghi, vont s'emparer d'Athènes, et à ce moment-là, le tsar de Russie, Nicolas Ier, qui a succédé à Alexandre Ier, disparu en 1825, va imposer aux Turcs le traité d'Ackerman, par lequel il a un droit de regard sur les principautés serbes et valaques, ce qui veut dire que la Grèce pourrait bien suivre. À ce moment-là, Wellington, le Britannique Wellington, va se rendre à Saint-Pétersbourg et un protocole anglo-russe va être conclu en avril 1826 qui reprend le projet de Canning d'une autonomie de la Grèce sous suzeraineté du sultan. Tout cela est confirmé le 6 juillet 1827 par le traité de Londres auquel la France s'associe. Hein. On exige du sultan un armistice, refus de l'intéressé. Du coup, une flotte alliée, franco-anglo-russe, va se diriger vers les eaux grecques et le 20 octobre 1827, dans la baie de Navarin, c'est l'amiral français de Régnier qui va engager la bataille contre la flotte turco-égyptienne qui va être en majeure partie envoyée par le fond. C'est l'occasion pour le tsar de déclarer officiellement la guerre au sultan, qui doit faire face en Grèce, mais également sur la frontière du Caucase et dans les Balkans. L'insurrection s'en trouve évidemment relancée et de plus, un corps expéditionnaire français confié au général Maison va gagner le Péloponnèse pour aller y conduire ce que l'on va appeler la campagne de Morée qui sera tout à fait victorieuse puisque la péninsule du Péloponnèse sera libérée en l'espace de 2 mois. Pour donner une conclusion politique à tout cela, le protocole de Londres du 22 mars 1829 va proclamer donc l'autonomie de la Grèce, mais une Grèce qui reste tributaire du sultan, une Grèce limitée au Péloponnèse et puis aux Cyclades à ce moment-là. Hein. Et quant à la Grèce continentale, eh bien, sa frontière nord irait du golfe d'Arta au golfe de Volos, hein, ce qui correspond à une
une infime partie de la Grèce telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais le chef du gouvernement grec, Capodistria, qui est un proche du tsar, refuse ce compromis parce qu'il s'attend à une victoire des Russes qui permettra d'obtenir davantage. Et effectivement, en septembre 1829, le traité d'Andrinople va être imposé par le tsar au sultan. La Grèce va accéder à une pleine indépendance, hein, malgré les réticences des Anglais qui sont présents dans les îles Ioniennes depuis 1814. Hein, mais la Grèce n'en accède pas moins à une pleine indépendance, à condition que le régime politique choisi soit une monarchie. Alors maintenant, il faut trouver un souverain, il faut trouver un monarque. On propose le trône de Grèce à Léopold de Saxe-Cobourg. Il refuse. Hein, ce prince allemand ne se voit pas à la tête de ce pays aux destinées encore bien incertaines. Pour aggraver le tout, en octobre 1831, Capodistria, qui était le chef du gouvernement grec, est assassiné à Nauplie. Alors les puissances vont reprendre les choses en main et vont imposer sur le trône de Grèce Othon de Bavière, un prince bavarois, le fils de Louis Ier, qui avait manifesté au cours des années précédentes de constants sentiments philhellènes. Au nord, la limite du pays se situe toujours sur la ligne entre Golfe d'Arta et Golfe de Volo. Donc une indépendance conquise, certes, mais sur une partie seulement du territoire grec. Hein. Il manque encore de nombreuses régions et une indépendance évidemment incertaine et fragile. En tout cas, inachevée. Reste à reconquérir ou à libérer la Thessalie, l'Épire au nord, la Thrace au nord-est, la Crète, bien sûr, les îles. Ce sera la mission des générations suivantes qui, progressivement, au XIXe siècle, vont chasser les Turcs de Grèce, hein, notamment à l'occasion des guerres balkaniques de 1912-1913. Dès 1898, la Crète va réussir à conquérir son indépendance après s'être battu farouchement contre l'adversaire ottoman. Et cette histoire ne se terminera pas vraiment avec les guerres balkaniques de 1912-1913, puisque au sortir de la Première Guerre mondiale, les Grecs vont caresser un temps l'espoir de récupérer la côte ionienne, avec notamment Smyrne, mais face à la puissante réaction nationale turque conduite par Mustafa Kemal, ils devront renoncer à ses ambitions, et au bout du compte, on en arrivera même à réaliser un échange de population entre la Grèce et la Turquie nouvelle, qui permettra d'aboutir au découpage territorial, parfois d'ailleurs encore contesté, que nous connaissons aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je vous racontais la vie du médecin Jean-Martin Charcot, le grand neurologue, le père de la neurologie, peut-on dire, moderne. Et là, je vais m'intéresser à son fils. Quelle famille, les Charcot, quelle famille. Alors, le fiston, il s'appelle Jean-Baptiste et il est né en 1867 dans les beaux quartiers de Paris. Il est évidemment d'une famille très riche. Hein. Le père avait fait fortune, la maman avait elle-même une fortune considérable de son côté. Donc, c'est une enfance tout à fait plaisante, choyée. Il va à l'école alsacienne, il pratique tous les sports et c'est un grand, grand sportif. Il est passionné de boxe,
d'escrime et de rugby. Et surtout, il va découvrir la voile. Où ça? Sur le lac du Bois de Boulogne, avec son premier petit canot qui va s'appeler le Pourquoi pas, déjà, quand il a 7-8 ans. Et ça sera sa passion. Alors, il est très bon élève, mais il dit à son père, « Papa, je veux être marin ». Et évidemment, vous imaginez la réaction du père. Passe ton bac d'abord et deviens médecin ensuite, on en reparlera après. Et comme c'est un fils soumis, enfin, il aime beaucoup son père de toute façon, eh bien, il va devenir médecin. Il fera des études tout à fait brillantes, hein, et donc le papa est content. En compensation, son père va l'emmener sur un yacht loué, faire des croisières, alors soit vers le Maroc, soit vers les pays beaucoup plus froids. Et en fait, Jean-Baptiste dira, je détestais les pays chauds, c'est vraiment quelque chose qui ne m'attire pas du tout, je ne me sens pas bien, moi je n'aime que le froid, donc ce seront les Shetland, les îles Féroé, toujours plus au nord. Pendant qu'il fait ses études et qu'il publie sa thèse de médecine sur l'atrophie musculaire, comme quoi il allie sa passion du sport et des muscles en bon état avec la neurologie du père, eh bien, il a une histoire d'amour avec une infirmière. Banal, hein, vous allez me dire, un jeune et brillant médecin et une infirmière. Pas de chance, la pauvre infirmière meurt en accouchant d'une petite fille qui s'appelle Marion et qui elle-même ne va pas vivre très longtemps puisqu'elle va mourir à 32 ans. Et on ne sait pas trop ce qu'elle a fait à part ça, mais c'est un destin très, très bref, la petite Marion Charcot. Enfin, lui continue sa vie, hein, et il est champion de France de rugby, quand même pas mal, et il sera deux fois médaillé des Jeux Olympiques en voile, parce que la voile, c'est vraiment, vraiment sa passion. À la mort de son père, eh bien, d'une part, il peut faire ce qu'il veut, d'autre part, il hérite quand même d'une très grosse fortune. Donc commence la série des « Pourquoi pas ?», ces yachts qu'il se fait construire avec un bonheur fou, et il commence à naviguer vraiment très, très sérieusement. Il se marie parce que il se marie avec une, j'allais dire, une amie d'enfance. Je vous avais dit en vous parlant du père Charcot que les enfants, donc les trois enfants Charcot, étaient très liés aux enfants de Daudet. Par exemple, Léon Daudet sera le meilleur ami. Et il y a sa sœur qui va épouser. Qui est follement amoureuse de Léon Daudet, mais qui va épouser, lui, Jeanne Hugo. Le mariage ne sera pas heureux, Jeanne Hugo divorce, et Charcot va épouser Jeanne Hugo. Tout ça grandit, poussé ensemble. Seulement, si ça n'avait pas marché avec Léon Daudet, ben ça ne va pas marcher non plus avec Charcot. Manifestement, elle n'est pas la femme qu'il lui faut. Lui est tout, ne rêve que de voiles et d'aventures vers le nord, et elle est beaucoup plus parisienne. Donc, ils finiront par divorcés. Ils n'ont pas eu d'enfants. Il construit un bateau en fer en 1900, le Rosemarine, et il essaye d'emmener Jeanne Hugo, mais c'est une catastrophe, il la ramène vite à terre et ça sera le divorce, effectivement. Et avec cette Rosemarine, il veut aller au cercle polaire, il veut vraiment se spécialiser dans les pôles. Ça ne l'empêche pas de faire une croisière sur le Nil, lui qui n'aime pas les pays chauds, avec le fils Vanderbilt, mais c'est une des rares exceptions dans ces croisières. Et puis, il devient de plus en plus scientifique, spécialiste des pôles. En 1903, il s'installe à Saint-Malo parce qu'il se fait construire un bateau énorme, le Français, 32 mètres, et il veut vérifier que la construction est exactement ce qu'il veut. Et avec ce Français, il va faire la première expédition scientifique antarctique avec un hivernage sur une île qui s'appelle l'île Wendel, tout à fait au nord. Il va ramener une moisson de découvertes. D'abord, il va découvrir 1000 km de côte. La côte est très, très découpée. Il va dresser des cartes marines, il va rapporter des spécimens de plantes, d'algues, d'animaux. C'est vraiment sa première expédition scientifique. Il va se remarier en 1907. Entre-temps, il est allé vivre avec une de ses sœurs qui avait aussi divorcé. Et il avait pris la petite Marion avec lui, ce qui était quand même gentil. Et puis, en 1907, il se remarie avec une femme beaucoup plus facile à vivre, qui s'appelle Marguerite, mais tout le monde l'appelle Meg, Cléry, et qui est peintre.
qui est peintre et qui est facile à vivre. Ils vont avoir deux filles, Monique et Martine, je crois, des prénoms qui devaient être très 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 à la mode à l'époque. Et il construit le Pourquoi pas 4. Alors là, c'est 40 mètres, des laboratoires de recherche, des bibliothèques à bord. C'est un bateau qui peut tenir une cinquantaine de personnes. C'est vraiment son plus beau bateau. Il va prendre dans son équipe un jeune inconnu qui est Paul-Émile Victor. Et Paul-Émile Victor va être son numéro 2. Il va le poser au cercle polaire. Et là, Paul-Émile Victor va passer l'hiver faisant aussi des relevés sur les marées, sur le magnétisme, enfin c'est devenu vraiment un scientifique. Il va hiverner avec lui et il va attraper le scorbut. Et ça va être très très terrible, ça va affaiblir son organisme, puis il est plutôt jeune hein, à l'époque, il a une soixantaine d'années, et il va avoir du mal à s'en remettre. Du coup, pendant un moment, il va changer un petit peu de passion, il va faire du scoutisme, qui est tout débutant, il va être président du Yacht Club de France, et puis c'est la guerre. Alors bon, il est engagé comme médecin, et puis il n'a pas exercé la médecine depuis des années, c'est pas un très bon médecin, ça l'intéresse plus. Donc il arrive à persuader ses chefs qu'il serait beaucoup plus utile comme marin, et en particulier, il a l'idée de déguiser des bateaux en bateaux leurres contre les sous-marins allemands. Et ça marche très bien, il va faire une guerre absolument époustouflante, il va prendre tous les risques, et il va ramasser deux croix de guerre et le titre de capitaine de frégate, ce qui est pas mal du tout. Après la guerre, il va être nommé chef de mission, alors qu'il a passé l'âge sur le Pourquoi pas 4, qui est maintenant officiellement à l'État, et on l'envoie à la recherche de l'hydravion de Roald Amundsen, qui a disparu du côté du pôle Nord. Roald Amundsen était lui-même à la recherche d'un dirigeable italien qui avait aussi disparu. Les recherches seront infructueuses. Et en tout cas, là, il arrive à être connu, il est membre de l'Académie, il va y avoir une année polaire, les gens se passionnent pour le cercle polaire, comme ils se sont passionnés pour l'Afrique avec la croisière noire, par exemple. Et en septembre 36, ça va être le drame, alors que c'est une navigation un peu de routine. Il revient du nord et il va vers Saint-Malo et au large de l'Islande. Le Pourquoi pas est pris dans une tempête épouvantable, va se briser sur les récifs. Il y aura 40 morts. Un seul survivant, qui est le maître timonier, qui s'appelle Eugène Gonidec, qui va raconter les dernières minutes donc de Charcot, dont le dernier geste sera de libérer la pie, qui était la mascotte de l'équipage, elle s'appelait Rita. Il la libère de sa cage et il lui dit « toi, tu vas t'en sortir ». Effectivement, la mouette s'en est sortie, mais pas les 40 marins et scientifiques à bord du Pourquoi pas. C'est terrible, on va quand même retrouver son corps et il aura des obsèques nationales. Il est enterré au cimetière de Montmartre, je crois. Et en tout cas, quelle vie. Et cet été, le 15 juillet, eh bien, on va fêter les 150 ans de sa naissance. Et c'est très mérité de rendre hommage à Jean-Baptiste Charcot, qui a vécu son rêve jusqu'au bout. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'historien Dominique Lormier, qui est un spécialiste des deux guerres mondiales, qui a notamment réalisé des ouvrages consacrés à la résistance, également à l'Italie dans les deux guerres mondiales. Et il nous propose aujourd'hui aux éditions Pierre de Taillac le mythe du sauveur américain à propos de la Première Guerre mondiale. Hein. On commémore cette année le centenaire de l'intervention américaine dans le conflit. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet le numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire actuellement en kiosque et qui est consacré à l'émergence de la puissance américaine à la faveur de ce premier conflit mondial. Alors le mythe du sauveur américain, c'est un titre qui n'est pas neutre. Hein, provocateur. Voilà, j'allais le dire, c'est un titre un petit peu provocateur. Hein, on connaît, on sait dans quelles conditions les États-Unis entrent en guerre en
avril 1917. On sait le poids de cette intervention sur le plan notamment économique, industriel, sur le plan politique aussi, par les perspectives que tout cela va ouvrir. Hein. La paix ou les traités de paix seront pour une bonne part inspirés de la vision wilsonienne des choses. Et surtout dans la mémoire collective française, les Américains ont pris une part évidemment décisive à la victoire. C'est perçu ainsi à l'époque. Wilson est très bien accueilli quand il arrive en Europe et notamment en France à la fin de 1918, à la veille de la conférence de la paix. La suite avec la Seconde Guerre mondiale a évidemment tout naturellement confirmé ce sentiment d'une intervention américaine décisive à un moment où les belligérants qui s'épuisaient dans cette guerre suicidaire depuis 4 ans, aucun des deux ne paraissait en mesure de l'emporter, si ce n'est peut-être au printemps 18 les Allemands, du fait de la victoire obtenue sur le front de l'Est, qui leur permettait de ramener donc des forces importantes à l'Ouest et de tenter de l'emporter dans un espace de temps bien précis. Cependant, il fallait en finir avant l'été 18, parce qu'après, l'arrivée massive des Américains, des soldats américains, allait réaliser un déséquilibre au niveau des effectifs, fatal évidemment aux empires centraux. Alors, le mythe du sauveur américain, comment justifiez-vous ce titre ? Hein, le mythe du sauveur, le terme est très fort. Tout à fait. Alors je le justifie sur un plan purement militaire, c'est-à-dire sur le plan tactique et stratégique, sur le plan des opérations militaires réelles, avec les effectifs réels engagés sur le terrain. Parce qu'effectivement, en novembre 1918, il y a à peu près environ 1 800 000 soldats américains en France. Mais quels sont réellement les effectifs qui ont été engagés en première ligne durant les opérations? Et là, on tombe de haut, puisqu'on découvre qu'il y a en vérité 400 000 Américains en première ligne, c'est-à-dire 16 divisions, dont 8 ayant l'expérience du combat. En plus, il faut savoir que ces divisions sont intégralement équipées en armement lourd de matériel français. Elles sont instruites par des officiers ou des sous-officiers français. Également, concernant le matériel lourd, la France va livrer 4000 pièces d'artillerie aux Américains, plus de 400 chars, un millier d'avions environ. Et au niveau des opérations militaires elles-mêmes, généralement on oublie que les Allemands effectivement déclenchent des offensives du fait de leur supériorité numérique à ce moment-là, c'est-à-dire en mars et avril 1918. Dans Picardie et dans les Flandres, elles enfoncent les troupes britanniques et elles vont être à chaque fois sauvées in extremis par des renforts français. Ouais. Parce que le général Pétain, commandant en chef à l'époque des troupes françaises, a vu le danger et il n'a pas voulu suivre les conseils de Foch qui voulait engager des offensives à outrance du style Nivelle, qui aurait eu des effets désastreux. Il a été prévoyant, c'est-à-dire qu'il a maintenu en réserve une quarantaine de divisions françaises en réserve et qui vont sauver à deux reprises les Britanniques enfoncés. C'est ça. Donc durant la période déjà de mars-avril, il n'y a aucune intervention américaine décisive à ce moment-là, si ce n'est que 2 ou 3 régiments américains en Argonne, mais qui joue un rôle tout à fait secondaire. Et ces opérations décisives en Picardie et donc en Flandre vont être sauvées par des renforts de troupes françaises. Par des renforts de troupes françaises, hein, après les offensives allemandes du 21 mars et puis du 6 avril. Absolument. Hein, on arrête la poussée devant Amiens, alors que la brèche a été créée. Et ce sont les troupes françaises qui viennent colmater à ce moment-là. Ce sont les troupes françaises qui colmatent. Alors ça va créer justement une situation difficile pour les Français, parce que ça va dégarnir le front de Champagne où les Allemands vont lancer leur offensive donc à partir du mois de mai 1918. – À partir de la fameuse position du Champagne-Dame et vont pousser jusqu'à la Marne. – Voilà, et alors il va avoir, on assiste donc à la deuxième bataille de la Marne, et contrairement à ce qu'on dit, également l'intervention américaine a été mineure. Il y a eu, pour 60 divisions françaises engagées, il y a eu 6 divisions américaines qui ont été engagées durant cette deuxième bataille de la Marne. Il convient également de noter l'intervention de 2 divisions italiennes qui vont
d'ailleurs particulièrement se distinguer durant ces opérations. Et ce qui va jouer surtout un rôle important, c'est que ça va être l'essoufflement, je dirais, logistique des offensives allemandes, le rétablissement et les contre-offensives françaises, et également le fait que les Français vont avoir connaissance d'un plan offensif allemand au mois de juillet 1918, grâce au coup de main mené par un certain Darnand, d'ailleurs, dont vous avez présenté une excellente biographie récemment. Et le fait aussi de l'engagement massif des chars Renault FT-17. C'est-à-dire, il y a véritablement une armée française qui, à ce moment-là, est au sommet de sa puissance, contrairement à ce que veut nous faire croire l'historiographie anglo-américaine, qui veut nous faire croire que la France est, je dirais, saignée aux quatre veines et se trouve dans un état de délabrement complet et sauvée in extremis par les Américains. En vérité, c'était une armée française au sommet de sa puissance, 110 divisions, capable de mettre en ligne à peu près 3000 chars, quasiment autant d'avions, donc c'est une armée française qui n'a jamais été aussi puissante que durant les guerres napoléoniennes. Donc une armée qui est véritablement la première armée d'Europe. – Tout à fait au sommet de sa puissance en cette fin de la guerre, elle a réalisé complètement sa mutation industrielle. On a commencé la guerre selon les normes de la guerre napoléonienne pratiquement. – Tout à fait. – Et on termine avec la guerre industrielle. Alors cela dit quand même, je crois que vous avez évoqué une armée française saignée à blanc, on a quand même un problème d'effectifs. Tout à fait. Étant donné l'ampleur incroyable des pertes subies au cours des années précédentes. Alors on a néanmoins quand même à peu près 110 divisions en ligne, elles ne sont pas toujours à effectif complet, mais c'est également encadré par des officiers qui ont l'expérience du combat, donc qui savent très bien mener leurs hommes, de nouvelles tactiques sur le terrain, sur le plan offensif, qui ont été inaugurées notamment par le général Pétain. Il y a eu les offensives à objectifs limités qui ont été partout des succès, notamment à la Malmaison, qui a été un succès phénoménal en 1917. Qui a racheté un peu l'échec du chemin des dames absolument. Du mois d'avril précédent. Donc c'est une armée française rénovée et surtout très bien équipée. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à voir effectivement avec l'armée napoléonienne de 1914. Tout à fait. Donc et cette armée française qui a un savoir-faire sur le plan tactique qui est tout à fait remarquable. Tout à fait. Et comme c'est souligné d'ailleurs par les historiens spécialistes de la Première Guerre mondiale. Alors oui, je signale à ce propos le livre de Rémy Porte et François Cochet qui vient de sortir justement sur l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, qui rend parfaitement compte de cette évolution. Ouais. Alors il y a quand même une chose, je crois où il faut nuancer votre propos sur ces événements de 1918, c'est que le gros des forces américaines, le centre de gravité des forces américaines, il est tout à fait vers le nord-est du front, c'est-à-dire dans les secteurs où les Allemands ne vont pas lancer leurs grandes offensives du printemps de 1918. Hein, ils attaquent en Picardie, à la charnière des fronts français et anglais en mars. Ils attaquent en avril dans les Flandres face aux Anglais, parce qu'ils sont convaincus qu'ils pourront l'emporter plus facilement face aux Anglais, toujours tentés de réembarquer en catastrophe. Voilà. Et c'est purement circonstanciel s'ils attaquent en Champagne à la fin du mois de mai, c'est parce qu'ils veulent justement fixer les forces françaises, qu'elles ne soient plus en mesure d'aller se porter au secours des Anglais, parce qu'au bout du compte, Ludendorff, c'est avec les Anglais qu'il compte en finir. Absolument. Il pense que c'est là qu'est le ventre mou l'Alliance. Alors les Américains, ils sont effectivement complètement déployés vers le nord-est. Alors ce qui est important quand même, c'est la perspective pour la suite. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que ce sont les Français qui réalisent le gros du travail en 1918, mais dans la perspective d'une guerre qui continuerait, qui se prolongerait. – Ah oui, sur le long terme, effectivement. – Effectivement, l'arrivée massive des Samis, des Américains, évidemment, ça contribue à renverser… – Alors ça contribue sur le plan moral, et effectivement, ça contribue, si c'est une bataille, des opérations sur le long terme. – Le rapport des forces. – Tout à fait. Alors, il y a une chose également qui convient de souligner, j'y ai d'ailleurs consacré un chapitre, ça a été l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire l'Allemagne va perdre son allié principal. Alors effectivement, il y a eu la défaite de l'Empire ottoman et de la Bulgarie, mais grâce d'ailleurs aux troupes françaises concernant les Balkans et les troupes britanniques face à l'Empire ottoman, mais surtout c'est l'effondrement de l'Empire austro-hongrois suite à la résistance d'abord des Italiens sur le Piave en juin 1918, où
les Austro-Hongrois comptent en finir avec les Italiens pour ensuite venir épauler massivement l'armée allemande sur le front ouest. Ils vont échouer en juin 1918 sur le Piave et dans le Trentin. Et surtout, l'offensive italienne de Vittorio Veneto en octobre 1918, qui va être marquée par l'écroulement de l'Empire austro-hongrois, déjà miné, je dirais, intérieurement, mais qui, durant une semaine, va résister durant la première semaine de l'offensive, d'une manière opiniâtre, notamment sur le Trentin. Il y aura des pertes extrêmement lourdes. – Qui est menacée sur son flanc sud aussi par l'armée d'Orient. – Par l'armée d'Orient également. – Qui avance en Bulgarie, en direction. Et donc, cette victoire italienne va avoir un impact considérable, puisque suite à la victoire de Vittorio Veneto, où les Italiens ont subi des pertes durant trois ans extrêmement importantes, notamment sur l'Isonzo, qui a été le Verdun italien, également dans les Dolomites, où ils ont combattu dans des conditions extrêmes, à 3000 mètres d'altitude, quelquefois sous moins 40 degrés durant l'hiver, avec des pertes extrêmement lourdes. Il faut savoir par exemple que la bataille de l'Isonzo, avec ses 11 offensives, a été quasiment aussi meurtrière que Verdun et la Somme. Donc il y a eu des pertes très lourdes. On a d'ailleurs réévalué les pertes italiennes récemment, des historiens, puisqu'elles avaient été sous-évaluées pendant très longtemps. On estimait à peu près entre 460 000 et 650 000 Italiens tués. Oui. On en est maintenant aujourd'hui à 780 000 d'après les recherches, puisqu'on a pris en considération les 100 000 Italiens morts dans les camps de prisonniers autrichiens qui sont morts souvent de faim parce que la Croix-Rouge italienne refusait de les alimenter, puisqu'ils étaient considérés comme traîtres à la patrie, ayant été faits prisonniers, puisqu'il y avait un commandement italien extrêmement dur vis-à-vis des troupes. Ça a été d'ailleurs dévoilé dans le récent numéro d'Histoire de guerre de Jean Lopez à ce sujet sur les mutineries. Donc une victoire éclatante des Italiens et qui justement va précipiter donc la décision allemande, étant donné qu'elle n'est plus en mesure de combattre sur deux fronts, c'est-à-dire avec le danger de voir arriver les troupes italiennes par la Bavière, c'est-à-dire le sud de l'Allemagne, épaulées par quelques divisions françaises et britanniques, et le fait de l'entrée éventuelle massive des troupes américaines à partir de 1919, et donc également l'hypothèse d'une offensive française en Lorraine qui aurait certainement fait basculer la situation aussi. Oui, donc c'est une Allemagne véritablement exsangue. Française à laquelle devait participer aussi le gros des forces américaines tout à fait. Déployées dans cette région. Et on sait tout le débat qui a eu lieu autour de cette offensive. Pétain était partisan, bien sûr, pour mener l'offensive. Et Foch, lui, voulait arrêter les frais du fait de l'importance des pertes. Néanmoins, on peut estimer que sur un plan moral, serait certainement précipité davantage la défaite de l'Allemagne et n'aurait pas justifié, je dirais, ce qui a été avancé par les officiers allemands, c'est-à-dire que l'armée allemande aurait été trahie à l'arrière, alors qu'en vérité, elle a été vaincue militairement sur le terrain également. Et il y aurait eu une manifestation de la victoire alliée qui rendait impossible l'accueil triomphal qui a été fait à l'armée allemande rentrant du front en décembre 1918 par la population. Par la population de Berlin. Alors cette intervention américaine, quel a été le bilan d'abord pour les Américains en termes de pertes? Alors, ils ont eu des pertes, je dirais, ils ont eu à peu près entre 116 000 tués, mais dont la moitié sont morts victimes de la grippe espagnole d'accidents de la circulation. Donc, il y a eu réellement. Qui a été très il y a eu à peu près 60 000 soldats américains tués au front et l'autre moitié tués donc, dans les conditions que je viens de vous présenter. Donc on peut mettre ça en perspective, même avec des pays comme par exemple la Serbie qui est totalement oubliée, ou l'Italie que j'ai citée, ou d'autres pays, ou même la Bulgarie par exemple, mais qui étaient dans le camp opposé, qui ont eu des pertes nettement plus lourdes. – Alors oui, ce qui se comprend aussi, puisque l'intervention américaine, tout à fait, proprement dite, elle est tardive. – Absolument. – Parce que l'Amérique entre en guerre le 6 avril 17, mais c'est à l'été 1918 que réellement il rentre en ligne. – Que les choses interviennent, enfin pendant
la bataille de France, là on a les combats de Boisbello. Voilà, tout à fait. Alors par contre, effectivement, il convient de signaler le combat de Boisbello, l'offensive également sur le saillant de Saint-Mihiel également, mais de Boisbello où ils ont eu un comportement tout à fait héroïque, notamment la brigade des Marines qui s'est illustrée. Le mythe fondateur. Voilà, qui a été le mythe fondateur tout à fait des Marines durant cette bataille du Boisbello, qui d'ailleurs la région s'est ensuite appelée la région de la première brigade des Marines, puisque général Gouraud avait tenu à rendre hommage à l'héroïsme des troupes américaines. D'ailleurs, le livre, je tiens à le souligner, souligne le courage des soldats américains. Il tient simplement à remettre en perspective, dans une vision globale du conflit, c'est-à-dire avec une vision panoramique, l'aspect réel sur le terrain militaire. Voilà. Alors, mais il n'aborde pas l'aspect économique, l'aspect politique. Néanmoins, j'aborde l'aspect moral, qui a été très important, et l'aspect également déjà médiatique à l'époque, c'est-à-dire, même avec, d'ailleurs, dans l'entremise de Pétain, puisque Pétain essaie de nous faire croire qu'il attend les chars et les Américains. Il va remporter la décision simplement, surtout avec les chars et l'intervention assez tardive des Américains, mais surtout avec la refondation totale d'une armée française remise à neuf et extrêmement puissante. Et surtout aussi le support, bien entendu, de l'allié britannique, qui est absolument important, et également les victoires ensuite périphériques sur le front italien, l'écroulement de l'Empire ottoman et la brillante victoire remportée par les Alliés dans les Balkans, où les Français également apportent la majorité des effectifs. Alors, pour revenir sur l'engagement des Américains, il y a quelques batailles qui méritent que l'on s'arrête sur elles. Je pense notamment au fameux saillant de Saint-Mihiel, mais je crois que les Allemands avaient entamé leur repli quand les Américains vont. Alors, ils étaient soutenus également par des chars d'assaut français, dont une partie d'ailleurs a été conduite par des Américains et également par des troupes françaises. Et il convient de rappeler que l'offensive américaine de la première armée américaine en septembre-novembre 1918, donc en Meuse-Argonne, va être épaulée par la deuxième armée française. Donc l'armée américaine s'est supposée soulager les positions françaises d'à peu près d'une centaine de kilomètres et finalement en vérité épaulée par la deuxième armée française du général Hirschauer et qui va jouer également un rôle très important. Donc cette offensive Meuse-Argonne est menée conjointement par des troupes américaines, effectivement, il y a 16 divisions américaines engagées, mais également une trentaine de divisions françaises, soutenues par des chars d'assaut français. Et puis cette offensive Meuse-Argonne, elle se déroule dans des conditions très difficiles. Voilà, très difficiles, notamment au niveau du ravitaillement et au niveau de la logistique. Hein, tout à fait. Et on a parlé de l'embouteillage de l'Argonne. Si on peut dire qu'aujourd'hui le point fort américain, c'est la logistique, on dirait aujourd'hui qu'à cette époque, ça n'a pas été le point fort, ça a été un cafouillis énorme. Ce que l'on mesure bien, je crois, c'est le peu d'expérience et le peu de maîtrise des états-majors américains dans la perspective du combat interarmes et dans la perspective du maniement des grandes unités, ce qui peut tout à fait se comprendre. Il faut rappeler que l'armée américaine en 1917, c'est 60 000 hommes à tout casser, des troupes de métier dont l'expérience militaire ou la tradition militaire se résume à la lutte contre les Indiens et contre les Espagnols à Cuba. – Tout à fait, il y a une petite guerre contre les Mexicains, la guerre de sécession. – Alors, la guerre de sécession, évidemment, qui est déjà ancienne, bien sûr. Hein. Évidemment, tout cela était quand même assez improvisé. – Tout à fait. – Et avec, bien sûr, des limites et des bavures. – Le maréchal Foch a dit un enthousiasme énorme pour se lancer dans les opérations, mais une ignorance totale dans la manière de mener les opérations. – Il faut dire aussi qu'il ne bénéficiait pas de l'expérience que nous avions eu le temps d'accumuler depuis 1914, parce qu'on pourrait dire aussi que dans une certaine mesure, nos états-majors, tout au long de ce conflit, n'ont pas toujours été à la hauteur. C'est le moins qu'on puisse dire. On avait un excellent état-major en 1918, mais qui n'était pas du tout le cas en 1914, où on était en retard, véritablement d'une guerre, avec des soldats avec des pantalons rouges, une artillerie lourde, totalement défaillante. – Et puis, inexistante, presque par rapport à l'adversaire allemand. – À un contre 10, littéralement, puisque nous avions à peu près 3 000 pièces d'artillerie face à 3 000 du côté allemand.
On avait beaucoup misé sur le canon de 75 et la charge à la baïonnette. Mais qui était un canon de campagne. Ben voilà, absolument. Un canon pour la guerre de mouvement. Tout à fait. Il a d'ailleurs très bien servi sur ce terrain-là. Durant notamment la bataille de la Marne. Notamment pendant la Marne. Ah. Mais une fois installée la guerre de position, on voyait bien les limites. Ah ben, il a fallu attendre pratiquement jusqu'à l'année 1917 pour être dans une parité à peu près presque à égalité avec l'artillerie lourde allemande. Donc, voilà. Et alors, ces Américains, au bout du compte, quand même, et bon, ils sont intervenus. On voit bien sur le terrain militaire les limites de cette intervention, contrairement aux exagérations qui ont pu être avancées à l'époque pour des raisons de communication, pour des raisons politiques. Qui a perduré également dans le cinéma américain jusqu'à récemment. Ouais. Mais alors, en même temps, quel a été au final le gain pour eux? Parce qu'on sait comment ça se termine aussi en termes politiques. C'est le désaveu porté à Wilson. Ouais. C'est le Congrès qui refuse de ratifier les traités et le pacte de la SDN. Ouais. C'est l'élection présidentielle de 1920 où le candidat de Wilson est battu par Harding, qui se veut le champion d'America First, l'isolationnisme. Et on a une Amérique qui va rester dans cette posture jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et il faudra l'attaque japonaise en 1941 pour que l'opinion américaine change d'avis. Donc au bout du compte, en termes de résultats politiques, cette intervention américaine, on a du mal un petit peu à l'évaluer. – Alors ça va jouer surtout au niveau de la mémoire collective et sur le plan du moral, c'est-à-dire au niveau de la mémoire collective, pendant très longtemps, et même encore jusqu'à nos jours, la population française est persuadée que sans l'intervention américaine, nous aurions perdu en 1918. Voilà. Donc je dirais à ce niveau-là… – Ça aurait été peut-être plus dur de gagner. – Ça aurait été plus dur de gagner, mais à mon avis, je pense que la guerre était gagnée, durant la fin de l'été 1918, avant l'intervention réellement massive des troupes américaines, la guerre est gagnée sur le terrain et l'Allemagne a perdu. – Oui, parce que l'intervention massive, c'est Saint-Mihiel. – Tout à fait. Mais la perspective du renforcement continu des Américains fait que les Allemands, les chefs allemands maintenant sont convaincus qu'il faut tout se précipiter pour cette armistice. – Alors, ils se précipitent du fait également aussi de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire ils perdent 70 divisions austro-hongroises. Donc, généralement, on ignore qu'il y a à peu près 1 million de soldats allemands qui se trouvent à l'arrière du front, qui refusent de remonter en ligne, en première ligne. Donc, ils ne sont pas considérés comme déserteurs, mais ils sont dans un état intermédiaire, c'est-à-dire d'hommes totalement démoralisés. Donc, c'est une armée allemande totalement exsangue qui a perdu la moitié de ses effectifs pour certains bataillons, du fait qu'elle a subi des pertes très lourdes face à l'armée française. Et surtout, durant la période de 1918, il y a à peu près 14 batailles livrées, et dont 12 ont été remportées uniquement par l'armée française, comme le rappelle d'ailleurs le Rémy Porte dans son excellent ouvrage. Alors cette guerre mondiale, donc, elle se termine pour les Américains avec je dirais un bénéfice moral, c'est-à-dire on est persuadé dans la mémoire collective que l'intervention américaine a été décisive, d'autant plus qu'elle a été mise en avant aussi par les médias français de l'époque, avec la volonté de l'état-major de vouloir remonter le moral de la population. Et ça avait perduré dans la mémoire collective avec le cinéma hollywoodien comme le Sergent York et enfin des films de pure propagande hollywoodienne. Alors l'histoire du sergent York, peut-être vous pouvez en quelques mots. Ah bah c'est une histoire quand même assez incroyable, puisque c'est un fermier américain qui était assez récalcitrant à l'ordre militaire et qui finalement va se dévoiler parce que c'est un tireur d'élite, spécialiste des armes à feu, et qui va avoir un comportement tout à fait héroïque lors d'une opération où il va mettre hors de combat de nombreux soldats allemands. Pendant la bataille de l'Argonne. Voilà, tout à fait. Tout à fait à la fin. Là. Tout à fait, et il va être, je dirais, glorifié par justement l'acteur américain dont je cherche le nom, je crois que c'est Gary Cooper, il me semble, si j'ai bonne mémoire, par ce fameux film, le Sergent York. Mais il y aura le cinéma hollywoodien américain va, durant les années 20 et 30 et même par la suite, glorifier donc le soldat, le Sami, à travers de nombreux films. Et il ne faut pas perdre également en perspective, c'est-à-dire souvent on se projette
sur le mythe du sauveur américain, avec également l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et on est persuadé, effectivement, c'est-à-dire on a l'image du soldat américain, effectivement, de 1918, mais on a également l'image du GI américain de 1944-1945. Les deux images se confondent. Les deux images se confondent, donc on est, je dirais, dans une vision, je dirais, sublimée de la réalité, c'est-à-dire on confond la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale va interférer sur la Première et va nous donner effectivement l'image du sauveur américain de 1944-1945 qui lui est réellement justifié. Merci beaucoup Dominique Lormier pour tous ces éclairages concernant l'intervention américaine. Je rappelle le titre de votre livre, Le mythe du sauveur américain, paru aux éditions Pierre de Taillac.